Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alors nous avons tous cette phrase en tête, comme si elle était un verset bien connu de la Bible. Eh bien, oui et non. Telle quelle, cette phrase est nulle part dans le Nouveau Testament. C'est en fait un patchwork composé à partir de phrases de différents évangiles que les théologiens, au cours des siècles, ont composées. Alors c'est comme si on prenait dans un livre le sujet et le verbe d'une phrase, et dans un autre livre, le complément d'objet, par exemple. Alors je ne sais pas si cette composition est simplement maladroite ou s'il s'agit en fait d'une manipulation de la part de théologiens, mais en rapprochant ainsi deux demi-versets de deux évangiles différents, le sens n'est vraiment plus le même que dans les évangiles d'origine. « Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous », c'est dans l'évangile selon Matthieu. Et puis, le « faites ceci en mémoire de moi », c'est dans l'évangile selon Luc, comme nous venons de l'entendre dans la bouche de Vincent. Alors, en rapprochant ces deux demi-phrases, on donne à penser que Jésus nous dit qu'il serait vital pour nous de prendre et de manger régulièrement le pain et le vin en mémoire de lui. En effet, ce « faites ceci en mémoire de moi », c'est la conclusion d'une parole très solennelle de Jésus, où il donne en quelque sorte son testament spirituel quelques heures avant d'être arrêté et exécuté. Reprenons donc tout simplement ces paroles du Christ dans l'évangile que nous avons entendu, où il nous dit « faites ceci en mémoire de moi » pour essayer de comprendre ce que Jésus nous invite avec beaucoup d'insistance à faire. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « voici mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Et donc, quel est le « faire ceci » que Jésus nous donne comme testament spirituel? Eh bien, sa phrase est très claire. Le « faire ceci » renvoie au dernier verbe actif qui précède. « Voici mon corps donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi ». Veut dire tout simplement que Jésus nous invite à donner notre corps pour les autres, comme lui, le Christ, donne son corps et sa vie pour nous. Alors bien entendu, ce dernier message donné par Jésus est moins facile à entendre qu'un « mangez ce pain, buvez cette coupe en mémoire de moi » qui institue un geste religieux comme étant le sommet de ce que Jésus nous propose de vivre dans son évangile. Alors il est également bien plus facile de dire « voici le corps du Christ entendant un morceau de pain » que de dire aux autres « voici mon corps, voici ma vie ». Voici mon sang que je vous donne, par amour pour vous, en mémoire du Christ qui a donné sa vie pour moi. Et il est plus facile de dire aux autres « Jésus vous aime » que d'essayer, avec nos forces limitées, avec nos cœurs déjà fatigués, d'essayer d'aimer notre prochain et d'exposer ainsi notre vie aux autres. Alors Jésus était un juif pratiquant, mais apparemment d'une façon assez libérale. Même ce geste essentiel du respect du sabbat, qui consiste à laisser la première place à Dieu au moins une journée par semaine, même ce geste fondamental n'est pas pour lui une chose absolue. Et s'il y avait quelqu'un à aider le jour du sabbat, ou même quelques grains de blé à grignoter, eh bien ce n'était pas pour lui un problème. Le sabbat, nous dit-il, est fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Alors on voit mal dans ce contexte comment est-ce qu'il aurait institué un geste religieux comme celui de la scène que nous allons célébrer tout à l'heure dans une autre optique. La scène, comme le sabbat, est un simple moyen au service de notre cheminement. Mais cette chose ultime qui est centrale dans la vie du Christ, c'est de donner sa vie pour les autres. De donner son temps, donner son énergie, donner son amour pour la vie des autres. C'est ce que l'on voit bien dans ce passage de l'Évangile selon Luc, mais c'est ce que l'on voit pratiquement dans tous les livres du Nouveau Testament.
Par exemple, l'apôtre Paul nous appelle à offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Voilà ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et dans les évangiles, le Christ nous dit, si quelqu'un veut venir avec moi, eh bien qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et donc il s'agit de la même chose dans le commandement de la scène. Il nous invite à donner notre vie comme lui-même donne sa vie pour nous. Et être chrétien, ce n'est pas seulement être consommateur d'un acte religieux, c'est pas seulement être spectateur de la vie du Christ et de sa mort, mais c'est être acteur. Ce n'est pas seulement être aimé, même si c'est fondamental, mais c'est aussi aimer ensuite. Ce n'est pas regarder le Christ porter sa croix, mais porter sa propre croix et le suivre dans ce cheminement. Le Christ est le chemin, nous dit l'Évangile selon Jean. Un chemin n'est pas fait pour être adoré, un chemin, c'est fait pour permettre d'avancer, de cheminer. Et quand le Christ donne sa vie, il ne la donne pas pour que nous le regardions faire avec des hauts et des has, mais il nous donne sa vie pour que nous la prenions, pour que nous vivions de cette qualité d'être qui était la sienne et qu'il nous offre. Dans le même sens, nous fêtons Noël pas seulement pour célébrer la naissance du bébé Jésus il y a 2000 ans, mais pour naître à cette dimension supérieure de l'existence qu'il incarne. Et si nous repensons particulièrement aux dernières journées de la vie de Jésus à Pâques, c'est pour nous ouvrir à chaque fois un peu plus à sa façon d'être, pour faire un pas de plus dans le cheminement qu'il nous propose, pour que vraiment, concrètement, cela change quelque chose à notre façon d'être. Et en mangeant la Pâque, le jeudi saint, nous voulons prendre et assimiler cette façon d'être qui consiste à donner sa vie pour amour pour les autres, à donner au moins un peu de notre vie dans l'espérance qu'une personne à laquelle nous pensons puisse être un peu plus vivante ainsi. Et en nous lamentant sur la mort de Jésus le vendredi saint, et en nous réjouissant de sa résurrection le dimanche de Pâques, nous voulons nous ouvrir à ce miracle qu'est l'extraordinaire dynamique de vie qu'il y a dans un geste d'amour vrai. Objectivement, la mort de Jésus de Nazareth est un incroyable gâchis, celui d'une vie extraordinaire, sacrifiée par la folie ordinaire des humains. Et pourtant même ce gâchis stupide, grâce à l'amour que le Christ a mis à le supporter, a été paradoxalement une incroyable source de vie pour l'humanité tout entière. Alors bien souvent, nous hésitons, nous, à faire un geste pour telle personne, parce que peut-être que ça ne servira à rien, peut-être qu'elle se moquera de notre geste, ou peut-être même nous en voudra-t-elle pour ce geste. Mais ne craignons rien, tout geste d'amour a sa propre fécondité. Noël, Pâques, Pentecôte et nos saintes scènes ne font pas de nous des spectateurs de la vie du Christ, mais ils nous donnent l'occasion de devenir un peu plus enfants de Dieu, un peu plus christiques. Jésus prit du pain, donc, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Voici mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » En disant ces paroles, Jésus ne crée pas un rite religieux. Il nous propose un style de vie. Il nous propose de vivre en donnant notre vie pour nos frères et sœurs, comme le dit Jean. Facile à dire, bien sûr, mais un peu moins facile à faire. Et c'est pour ça que nous avons besoin du Christ. Lui-même nous dit dans l'Évangile selon Jean que ce n'est pas spontanément qu'il peut aimer ainsi au point de donner sa vie, mais que cela lui vient de son Père, de Dieu, et que cette façon d'être, il nous la donne, il nous la transmet parce qu'elle est la vie
et même la joie parfaite. Voilà ce qu'il nous dit à la fin de l'Évangile selon Jean au chapitre 15. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes paroles, vous demeurerez dans mon amour comme j'ai gardé les paroles de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici ce que je vous dis. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous dis. Je ne vous appelle plus seulement serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que j'ai appris de mon Père, ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous dis, c'est de vous aimer les uns les autres. Et donc nous retrouvons ici une transmission de la vie divine. Comme le Père a aimé Jésus, Jésus aime à son tour ses disciples, ses apôtres, et il les invite à se laisser construire par cet amour qu'ils reçoivent pour aimer à leur tour. Nous retrouvons cette transmission de la vie divine dans les gestes de Jésus à la scène. D'abord, Jésus prend le pain. Il le prend comme on prend sa vie en main, comme on se saisit consciemment de l'amour dont nous avons été aimés par Dieu et aussi par d'autres. Ensuite, Jésus rend grâce, il remercie Dieu publiquement de tout ce qu'il y a de bon dans sa vie, tout ce que Dieu lui a donné. Il le remercie pour cette vie, pour l'amour dont il l'aime, puisque c'est cet amour qui lui donne d'aimer à son tour, et que cela lui donne une joie profonde. Après seulement, il rompt le pain comme il donne sa vie pour nous. Le fait de rompre son pain, de donner sa vie, ne doit pas venir en premier. Mais ça doit venir que comme un fruit de l'amour divin, nous dit Paul. Il ne sert à rien de donner son corps, de donner sa vie si on le fait sans amour. Jésus donne enfin ce pain rompu aux disciples en expliquant ce geste qui est la mémoire de son amour qui va jusqu'à donner sa vie pour nous. Et il nous conseille ainsi, fraternellement, de prendre et d'assimiler sa façon d'être, car en elle est la vie. Comme le Christ ne pouvait vivre comme il a vécu par de simples forces humaines, mais seulement avec l'amour de Dieu, créant en lui une surnaturelle capacité à aimer. Nous aussi, nous avons un besoin vital de Dieu pour vivre en nous aimant un peu les uns les autres. Et c'est pour cela qu'il est intéressant de lire aussi ce que dit Jésus dans un autre évangile pour la scène. Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Le Christ nous tend sa vie, il nous offre ses paroles, il nous propose sa façon d'être, il nous offre la connaissance de l'amour de Dieu pour nous. Il nous conseille de prendre cela, de l'assimiler en nous-mêmes, de le faire notre vie. Prenez. Quand on prend, c'est dire oui à cette façon d'être, oui à ce que Christ nous révèle, à cette façon d'être que Jésus incarne, de donner sa vie pour les autres, de prendre même peut-être seulement un peu de temps pour vouloir donner quelque chose à quelqu'un d'autre. Prenez et mangez. Manger le Christ, c'est se nourrir de sa personne et de son enseignement, comme la nourriture d'un repas délicieux nous réjouit, nous fortifie et nous rassemble autour de la table. Alors on peut certes prendre et manger le Christ par la simple méditation des évangiles et par la prière chez soi, dans l'intimité de sa chambre. Nous pouvons aussi le prendre et le manger le dimanche matin au cours du culte, même si la scène n'est pas célébrée. Et cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans cette démarche, mais toute une famille qui se rassemble pour recevoir la parole de Dieu donnée en Christ.
Mais la scène, ce repas tout simple, partagé ensemble en mémoire du Christ, la scène ajoute encore quelque chose, une émotion, une façon de vivre cette recherche et cette joie de façon plus physique peut-être, par un geste de la main, par un regard qui s'échange, par une coupe et un plat qui passent de l'un à l'autre. Alors ce n'est pas obligatoire, mais beaucoup d'entre nous sont sensibles alors, tout particulièrement, à cette réalité, que cet ensemble que nous constituons, le corps du Christ, par sa présence réelle, au milieu de nous, en nous, et avec cette humilité, mais aussi en assumant la responsabilité incroyable qui est la nôtre, cette belle vocation qui est celle d'être disciple du Christ. Béni sois-tu, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu nous as donné en Christ. Amen.